Pierre-Nicolas et Michel Mézières ont pu se rendre assez rapidement ce matin sur les lieux mêmes de l'explosion. Regardez leur reportage. On la reconnaît à peine et pourtant il s'agit bien de la rocade de Toulouse. Il est 10h30, soit 3 à 4 minutes après l'explosion. Le complexe chimique, à l'origine de l'accident, se trouve à droite, à environ 150 mètres. Il n'en reste rien. Sur la rocade, des automobilistes errent, hagards et hébétés. Ils commencent à réaliser ce qui vient de leur arriver. On a eu un grand boom, regardez sur la tapée de la voiture, comme une bombe qui a explosé là-bas. C'était là-bas que ça s'est voilà. passé. Ma fille était conduisée, elle a essayé de garder la maîtrise du véhicule, on se met si c'est un accident, c'est incroyable, d'un coup comme ça. Et on roulait, puis c'est une explosion, oui. C'est tout, on a entendu une grosse explosion, et puis voilà. Tout a volé. Sur place, les automobilistes s'entraident et commencent à organiser les premiers secours. En tentant de nous approcher, nous passons d'abord devant la Société Nationale des Poudres et Explosifs. Il y a des blessés, mais l'explosion n'est pas venue de là. Le spectacle de dévastation nous attend un peu plus loin, sur le site dit de la Grande Paroisse. C'est un complexe pétrochimique, déjà ancien, et dont la présence aux portes de la ville est dénoncée depuis longtemps. On y fabrique des engrais à partir d'ammoniac. D'habitude, 2 à 300 personnes travaillent à cet endroit, dont il ne reste absolument rien. Des bâtiments de béton ont volé en éclats. Des voitures, des wagons et des camions ont été déformés par le souffle de l'explosion. Dans Toulouse même, il ne reste guère de vitrage dans un rayon estimé entre 3 et 5 km. Le bilan de cette catastrophe sera très lourd.